Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve sur Anno 1800 pour la suite de cette série. Alors on va partir pour une dernière semaine, une dernière série de 5 épisodes, avant de changer de format, comme je vous l'avais expliqué, au travers des derniers épisodes. Alors on va commencer tout simplement avec l'expédition, on nous demandait quelque chose. Donc Opéra Tropical, c'est trop peu profond et beaucoup trop étroit aussi loin en amont. Prévient le timonier. Escorter Monsieur Cardinal jusqu'au site de son opéra tropical apparaît d'autant moins accessible. L'illustre mécène des arts se frise la moustache sous le coup de la frustration. Hormis braver la difficulté, la seule solution consiste à gravir une colline voisine pour tenter de rejoindre le cours de la rivière plus en amont. Alors, on peut faire transporter le bateau par-delà la colline pour le rejoindre en amont de la rivière. Ça demande de l'artisanat. Tenter de négocier prudemment le passage étroit. C'est pas ouf, mais on va essayer ça. Par les vagues, je mourrai. Des rapides, peste, monsieur Cardinal. En amont, l'eau tourbillonnant d'écume s'enfuit rapidement entre les rochers. Il n'y a guère d'autre choix que de filer droit devant, tandis que le navire lutte contre le courant. La coque malmenée par la roche pousse des cris déchirants au moindre choc et au moindre sursaut. L'équipage retient son souffle. Au bout d'une semaine, la rivière finit par s'élargir et vos hommes peuvent enfin constater les dégâts considérables. Aïe. J'ai vu pire comme cargaison. Alors, s'il dit qu'il a vu pire... Ça nous a quand même fait un petit peu mal. Alors, on va continuer ici. Est-ce qu'on a des quêtes... Ah oui, c'est vrai qu'on attendait que nos bateaux viennent défoncer du pirate. D'ailleurs, en parlant de ça, on serait peut-être amené à construire plus de navires de guerre. Mais des vrais gros navires de guerre pour justement essayer... Bon, on n'a pas beaucoup de points d'influence, ça le problème. Mais ça pourrait être pas mal pour essayer de foutre la merde. À toute la flotte, préparez-vous à faire feu. Un de vos navires est attaqué. Voilà, donc lui, il va avoir très mal, très très mal. C'est bien, ça veut dire que ici, toi, on peut te dire de venir ici sans trop de problèmes. Voilà, donc apparemment tout le monde est tranquille. Là, ce sont des bateaux normaux, a priori. Tu voudrais pas me contrarier, n'est-ce pas? 33 000. Tu es déjà un exemple pour mes petites mains. Quoique le truc commercial, je sais pas ce qu'on... On en fait rien avec elle, mais bon, ça préviendrait... Ça préviendrait peut-être qu'elle nous attaque. Parce qu'elle est quand même assez balèze et nous on l'est moins. Elle est à 56. Lui on pourrait essayer d'acheter ses parts à lui pour voir ce que ça donne. Juste pour rigoler en fait. Parce que c'est le problème que j'ai, la peur on va dire que j'ai, c'est que il nous avale tout cru en fait. D'accord, c'est elle qui a les parts. Lui, il a plus qu'une seule part. Les parts de mon île se vendent comme des petits pains. Je suis populaire. Il est con en plus. On commence au bas de l'échelle. Et on finit. N'oubliez pas, efficacité, ponctualité. Des ordres pour nous. Ouais. Une escorte avec ces deux-là, ça devrait suffire. Ah, c'est celui-là. Et si je vous faisais attendre, ça vous plairait? Mais tu vas te calmer. Dans l'autre, ouais. Et elle, on pourrait lui acheter des parts aussi. Elle a une petite île ici aussi. Personne n'a jamais refusé de s'allier à Wimbledon. Enfin, pas récemment. Ah, il me faut de l'influence pour acheter des parts, d'accord. C'est pas ouf. C'est pas fameux, ça. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Et toi, tu veux quoi?
à faire des quêtes. Hein. Apparemment, elle a une quête disponible, mais elle a pas envie de la partager. Bon, toi... Hop, tu plonges pour remonter des trucs à la con. Parfait. Il n'est de vent favorable qu'à celui qui sait où il va. Quête de récupération, d'accord. Donc elle, elle a une quête de récupération, c'est parfait. Là, ils sont... le vent vous porte. Ils sont plus attaqués, donc on n'a plus de problème. On va revenir vers ici. Non, c'est pas le bon bouton. Décidément, j'ai du mal hein, avec les différents boutons. Oui, alors. Toi, une caisse ici. Est-ce que je peux envoyer un navire tiens, toi. Toi, tu vas aller chercher la caisse ici. T'es assez rapide normalement, ça devrait le faire. Et nos bateaux, ils arrivent ou il se passe quoi? J'ai l'impression qu'ils arrivent ici. Faut-il craindre? Non, c'est pas du tout ça. Et ils sont là. Oui. Ils sont là, ils sont là. Et alors, du coup, pour en créer d'autres des bateaux. À ce niveau-là, parce qu'on a, on a ce qu'il faut normalement. Allons-y. Toujours pas. 5 d'influence. D'accord, ça demande un... Ah non, c'est le pétrolier. Monitor et croiseur de combat, ça demande 12 d'influence. D'accord. Il va falloir gagner un peu d'influence. Propagande, commerce. Bâtiment défensif. Il faudrait qu'on fasse plus de bâtiments défensifs. Écoutez. C'est bon, c'est dans la poche. Ouais. Eh ben, vous avez pas perdu de temps. Affecte raffinerie de pétrole lors de l'activation. D'accord. Non, ce que je voulais faire, c'est le grand port. On peut avoir la grosse Bertha. Ça pourrait être rigolo d'avoir la grosse Bertha. La mettre là. La zone côtière vacante. Voilà, une grosse Bertha ici. Formation de redoutables fusiliers. Donc ça, ça devrait nous amener... un peu de... Pas trop de correction, j'espère. Avez-vous vu cette pomme admirablement astiquée? Ça, c'est pas ouf. Moins 50. Quelle heureuse nouvelle. Quoi que non, il n'y a pas besoin, en fait. Faut juste mettre ça. Plus de sous. C'est une idée merveilleuse. Et plus de bonheur, voilà. Soyez tous contents. Ils n'iront pas jusqu'à lire entre les lignes. Non, ils vont pas le faire, ça. Rien d'autre? Dans ce cas, j'envoie sous presse. Pourquoi pas une petite tourelle d'artillerie ici? Tout se goupille parfaitement. Et ici aussi, voilà. Ça, on en a deux. Ici, tout se goupille parfaitement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Croiseur de combat paré. Il est où l'autre croiseur de combat? Ah, ils sont deux là. Flotte en protocole d'escorte. Apparemment, faut naviguer un petit peu à côté d'elle. À côté de lui. Et s'il y a des monstres marins, je... Flotte en protocole d'escorte. Non, le cool en même temps, le bateau sera plus simple. Toi, normalement. T'es arrivé presque là. Hop, tu récupères ça. Amiral. Amiral. 2 secondes, toi. Alors, hop. Et tu vas lui ramener ici. Cap est tracé. Ça, c'est pas super loin. Parfait. Eux, ils sont juste derrière. A priori, pas de problème. J'espère qu'il est pas en guerre avec d'autres mondes.
Partie sauvegardée. Attendons les ordres. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Laquelle ? D'accord, celle-là. Ah, elle est méchante, hein, elle. Faudrait aller un peu plus vite là par contre. Ce serait pas mal. Parce que l'autre il a tendance à bien avancer quand même. Pourtant il a le vent. Le vent de côté, ouais. Un autre joueur a été dépouillé de son île. C'est bête. Un autre joueur a été dépouillé de. C'est bête. Attends, on va aller le suivre lui parce que on a un peu de mal. D'or, pari à l'action. Pourquoi tu veux pas ? Bizarre ça. Oui. Bon, les bateaux à vapeur, ils étaient pas censés être plus rapides que les bateaux à voile. Parce que là, c'est pas fameux quand même. C'est bien ça, si vous n'avez pas de place, là, là. Bref. Nouvelle mission. Peut-être trop près. Ravitaillé et paré. Un petit tour et puis on y retourne, non? Bon. Mais il faut avancer, les là. Les feuilles bruissent-elles de la rumeur du... Vous avez manifesté le ciel, l'intégrité. Oh là, c'est abusé comment ils sont lents les bateaux là. C'est fou. L'autre s'il se fait défoncer, je me. Pour rien en plus. Dieu bête. Monitor en attente. On va lui, on va l'envoyer. Il y a des chances qu'il y arrive avant que les autres derrière là ils soient arrivés. La flotte est prête. Aussi. C'est impressionnant quand même. Bon, là, je vois pas de bateau en particulier. On se construit 2-3 petits trucs, ça fera du bien. Ça, c'est construit déjà, oui. Ça avance. Parce que lui, il a un peu plus de mal. Ouais, voilà, eux, ils ont plus de mal. Allez. On va commencer à taper, voilà. Marrant qu'ils ne sont pas à portée et on arrive quand même à les défoncer. Ça, ça fait du bien ça. Boum boum, allez. Hop, toi t'es mouru. Mais ça nous empêche pas de continuer et elle veut quoi ? D'accord, c'est gentil. C'est pas du tout ce que je voulais. L'autre il passe devant les canons quand on tire. Je suis pas sûr que ce soit le plus intelligent des trucs à faire, mais. Mais bon. Bon, au moins ça avance. On va faire ça. Ce sera plus simple. Soyez l'étoile qui nous guidera. De Charib dans Sicile. En Scylla, pardon, Sicile. Votre équipage entreprend de traverser un endroit, un dangereux détroit. Comme Ulysse le long des côtes de Sicile, vos hommes aperçoivent un courant contraire qui reflue avec une telle force que des poissons aux yeux déformés et à l'abdomen translucide sont rejetés à la surface.
Les créatures qui échappent à ce tourbillon sont implacablement drossées contre les féroces récifs du rivage. Échapper au tourbillon, on n'a pas trop le truc, pas trop le choix. Ulysse n'avait pas l'habilité de vos navigateurs. Ah, ça c'est bien ça, de vos navigateurs. Fort de leur compréhension des aléas maritimes et de leur incomparable talent de pilote, ils manœuvrent le vaisseau entre le tourbillon et le rivage, usant de la force du courant pour se propulser en avant. L'instant est aussi éphémère qu'intense, l'équipage est en liesse, les matelots rient de bon cœur malgré l'écume glaciale qui leur éclabousse le visage. On a ce qu'il faut, ni plus ni moins. Voilà, voilà. Comme ça c'est fait et nous on continue de suivre celui-là. L'expédition continue, on gagne pas énormément de trucs hein, pour le coup. Et là on a l'autre petit bateau qui arrive aussi en même temps. On a dit qu'il allait devoir escorter. Comme ça c'est pas mal ça. Un rayon d'action un peu moindre, mais au moins, normalement, il est plus rapide. Le Covenant. Est-ce qu'on peut acheter d'autres bateaux? Ça, c'est un pétrolier, du coup. Ça, c'est encore un pétrolier. Un empire s'étend sur la terre. Pas besoin d'avoir des pétroliers à tir l'arigot non plus. Comme ça, c'est suffisant. C'est dommage qu'on puisse pas construire exactement comme ça, ça aurait été plus sympa du coup. Faire des trucs un peu pas carrés. Parce que là, ça a du style, vous voyez, ça, tout de suite, ça rend beaucoup mieux que d'avoir un truc tout carré. Alors, bien évidemment, c'est pas évident, mais ça aurait pu être mieux. Influence 10. Hop, on rachète des parts. Un paquet d'actions. Il est complètement con le mec. Ouais, je suis en train de t'acheter vieux. Je sais pas si t'as compris mais... Ce serait marrant. Je vais voir ce que ça donne avec lui en fait. Si je l'achète lui, qu'est-ce qui se passe avant que j'achète l'autre. Parce que j'ai pas été jusque là et elle, lui, va sortir complètement du truc. D'accord. Bon. Comme ça, ce sera fait. Ça, c'est une toute petite île, on sait pas pourquoi. Ça doit coûter que dalle. Il y a quand même 10 d'influence pour acheter ça. Hein. Mais maintenant qu'on a de l'influence, on va pouvoir se faire deux bateaux en plus. Pas assez de canons, d'accord. Ça coûte cher en canon aussi. Vitesse d'attaque plus 17%. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez gagné un bonus d'influence. Un de vos navires est attaqué. Par qui? Par eux? Ah, ça sent qu'il va falloir qu'on se motive à aller... Hop, toi. Va falloir aller... La flotte se déplace. Vers ici. L'autre il va pas être de trop parce que c'est les pirates qui reviennent. Bon, le fait qu'ils nous aient pas attaqué plus que ça, c'est qu'ils sont juste en train de revenir. Et on regarde, on clique dessus, voilà. C'est le père Macro qui amène Anarlo vers son ancienne île. Et on va aller s'occuper d'eux, on a de quoi faire. On a de quoi faire, on a des renforts qui arrivent de l'autre côté. Je pourrais rapatrier quelques bateaux. Là, on va juste attendre que celui-là se termine. Et puis on aura une vingtaine de minutes pour s'occuper de tout ça. Parti, sauvegardé. Hop, lui il est quasiment parti. Oui.
Ah, donc normalement il va disparaître là. Ah c'est bon, l'autre il nous a dit ok avec la quête. À vos rangs pour saluer. Donc vous, vous allez aller ici. Et nous on va repartir vers le Cap Trelawney. Ici on a ce qu'il faut, c'est parfait. Il n'y a pas d'autres missions jusqu'à présent. Non, ça a l'air d'être bon. Toi, t'as pas d'autres missions à me proposer. Non. Alors, ici, on a dit qu'il nous fallait... Il nous fallait quoi? Il nous fallait de la bière. On a un peu de bière, mais on n'en a pas assez. Toi, par contre. Voilà. Donc ça, ça fait du pain, c'est bien. Ça, ça fait de la bière. Si, on a commencé à faire de la bière. Comment ça se présente au niveau des commandes, de tout ça? La bière, elle est où? Au-dessus. C'est stable, on n'en a pas des masses. C'est vrai qu'on en ait plus. Mais on verra ça un peu plus tard. Par contre, du coup, ici, je peux améliorer tout ça. Comme ça. Et alors, eux devraient pouvoir devenir autre chose. Ça m'intéresse de faire ça comme ça, ça peut être sympa. Hop, comme ça, c'est parfait. Ça, on va mettre ça. Je reviens d'entre les morts et j'ai ramené quelques amis. Eh ben, on va s'en occuper de tes amis. T'inquiète donc pas. Alors, une petite route ici. Pareil ici, du coup. Voilà. Et voilà. Ça se développe, c'est parfait. Vivre ici, c'est un bol d'air frais. Eux, ils seront bons un peu plus tard. Il va nous falloir une amélioration ici. Donc voilà, on a nos premiers. Ah non, c'était pas les premiers, on en avait déjà là. Que dis-je? Il nous faudra 500 des artisans. On va faire ça petit à petit. Quand on aura un peu plus de matériaux. Là, c'est du bois. Donc, du bois, on devrait en récupérer assez rapidement. Les artisans, il leur fallait quoi? C'est vrai. Il va falloir qu'on fasse des conserves. La bière, il n'y en a pas des masses. Plus de bière, plus de conserves, plus de tout. Bien évidemment. Ça coûte cher, mais après, voilà, on peut... Plus on consomme, et mieux ça ira. Est terminé. Et au niveau du bonheur, il leur faut quoi? Votre ça... ville s'est enlaidie. Il leur faudra des cabarets et du rhum. Il va falloir qu'on amène du rhum. Cabaret, par contre, on pourrait en caser un. C'est quoi ça? Ça, c'est le poste de police, d'accord. Cabaret, on va pouvoir en caser un là. Il n'y a rien d'autre. Si, il y a l'hôpital aussi qui peut être pas mal et l'université. L'université, on n'en a pas. En mettre une ici, ce serait pas mal. Et mettre un cabaret de ce côté-là, ce serait pas mal aussi. Avec un hôpital. L'hôpital, du coup, qui pourrait passer... Comme ça, ce serait bon aussi. Faire la route qui vient là. Et une autre qui traverse ici. Parfait. Ça, ce sera tip top. Toi, tu peux le bouger en fait. Lui, pour essayer de le mettre au milieu. Plus ou moins. Pas de taf au milieu, mais enfin bon. On verra ce que ça fait par la suite. On a l'université ici, l'hôpital, le cabaret, on va avoir tout ce qu'il nous faut pour les artisans, c'est juste qu'il va nous en falloir plus. Mais quand... Dans le genre plus, c'est plus, plus. On s'aventure dans l'inconnu. Oui, et ben toi tu vas attendre un petit peu, en fait on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve eh bien demain pour la suite. En attendant, comme d'habitude,
amusez-vous bien, salut!